Dans le reste de l'actualité à présent, on revient sur ce forum du logement qui était organisé hier à Tourcoing par la mission locale. Une vingtaine de professionnels du secteur étaient présents pour accueillir une bonne centaine de participants toute la journée âgés de 18 à 30 ans, surtout pour les aider à trouver un logement adapté. Dans le cadre de la Semaine nationale du logement des jeunes, ce forum avait pour vocation d'informer sur les droits existants pour les jeunes en termes de logement et toutes les solutions possibles pour trouver plus facilement un logement et bien sûr toutes les aides financières existantes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à se loger et le plus souvent par manque d'informations sur les aides et les solutions qu'il est possible pour eux d'obtenir. Adélaïde Bollard était à ce forum hier à Tourcoing. On écoute les explications de quelques-uns de ses participants, quelques jeunes rencontrés par notre journaliste. Ils demandent beaucoup de garants, donc des garanties aussi, un CDI la plupart du temps. Donc c'est vrai que la plupart du temps, c'est des étudiants sans salaire, donc c'est un peu difficile. J'ai pas de diplôme, donc j'ai pas un métier assez stable, donc je travaille... Dans un métier pas très, on ne paye pas assez. Et du coup, j'ai vraiment besoin qu'on m'aide dessus. C'est vrai que les débuts, on ne sait pas trop comment gérer, c'est plus compliqué. C'est pour ça que nous, on commence par un foyer jeune travailleur en fait. Je suis hébergée chez ma tante. Et puis, comme je ne travaille pas, je n'ai pas de ressources, et ben, j'essaye de m'interroger pour voir si je peux avoir des aides.